Fille du vent salé, telle fut ses derniers mots. Il les livra au gré des alizés, en sombrant dessous les flots. Je t'écoute enfin. Père. J'entends, depuis les eaux glacées, me dire la mer. Du vent salé, craignez-moi. Et on est là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler justement de cette superbe vidéo au final. Alors on va en parler un petit peu justement plus en détail, sachant qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire concernant, enfin il y a beaucoup de choses à dire, pas non plus, on va pas faire une vidéo de 3 heures bien entendu, mais c'est vrai que c'est le premier, on avait décrypté toutes les bandes dessinées. On va s'attaquer maintenant aux vidéos justement. Il y en aura 3, celle sur Jaina, celle sur Sylvanas et celle sur Ashara. D'ailleurs dans l'ordre ça devrait être plutôt Jaina, Ashara, Sylvanas si je ne dis pas de bêtises. Et
Au final, je... Alors, vous savez que je suis un gros joueur de Warcraft 3, bien entendu. J'ai commencé avec Warcraft 2, j'ai joué à Warcraft 3. J'ai ensuite fait Vanilla, Burning Crusade, j'ai un peu arrêté WoW, j'avais repris un petit peu. Et j'ai repris dernièrement avec Légion, en fin d'extension Légion. Et d'ailleurs, je vais le rappeler tout de suite, pour ceux qui ne le savent pas, j'utiliserai, parce qu'à chaque fois, j'ai plein de commentaires dessus, j'utiliserai les termes, les noms anglais, puisque les noms français, moi, j'ai beaucoup de mal avec, pour la plupart. Donc, je vais dire... Au début, pour vous faire plaisir, Jaina Port-Vaillant, mais ensuite ce sera que du Prodmore, c'est tout. Prodmore, Warcraft 3, tout ça c'est Prodmore, c'est tout. Du coup, sachant que justement cette vidéo fait une énorme lien entre BF1, Battle for Azeroth, la prochaine extension de World of Warcraft, et ce qui s'était passé dans Warcraft 3 Frozen Throne. Alors je sais, j'ai fait une vidéo de lore sur Warcraft 3 Frozen Throne, mais j'avais dit que je ferais une vidéo spéciale sur la campagne Orc, et je ne l'ai toujours pas fait, donc ce sera corrigé un de ces quatre. Bien entendu, il faut être patient, mais je la ferai, il n'y a pas de problème, où on traitera justement davantage de ce qui s'est passé dans ces moments-là. En attendant... Parlons un petit peu de Jaina, puisqu'il y a beaucoup de choses. Alors, je sais qu'apparemment, le fait de que ce soit une chanson a pu poser des problèmes à beaucoup, mais n'oublions pas que, bon, c'est vrai que quand même, elle a la coupe de cheveux d'Elsa, de la Reine des Neiges, forcément. Vous vous dites, ouais, c'est un peu trop Walt Disney, etc. N'oubliez pas que le thème des marins, il y a toujours eu énormément de chansons. Hein. Tout ce qui est la marine, on est dans un arc historique. Enfin, bien sûr, c'est Warcraft, mais on est dans un peu l'époque victorienne britannique, hein, Kultiras étant la nation maritime par excellence, l'Angleterre un petit peu de Warcraft, forcément l'univers marin, l'univers maritime est là, et en l'occurrence les marins, on les connaît par les grandes chansons, les grandes contes et les grandes légendes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des choses très intéressantes à dire. Alors, bien entendu, qui a créé la chanson, pour qui est cette chanson? Sachant que vous avez tout de suite très vite compris, bien entendu, que la fille du vent salé représente Jaina, la fille de la mer. La fille de la mer, sachant que c'est vrai qu'au début, la chanson du début... Donc c'est Jaina, mais c'est vrai que ça donne l'impression, puisque on parle bien entendu des événements de Warcraft 3 avec l'invasion de Kalimdor par la flotte de Daelin Prodmore, donc le père de Jaina, qui mena les Kultirassiens contre la Horde et qui pendant un moment fit un coup d'état à Terramor en privant Jaina de ses pouvoirs et en mettant tout simplement en décrétant la loi martiale pour tenir tête à la Horde et venir déclarer la guerre à la Horde. Donc c'est un événement qui a évidemment été très traumatisant pour Jaina, puisque c'est, pour le petit rappel, Jaina était une amie de Thrall. Ils avaient combattu tous les deux ensemble, Alliance et Horde, hein, puisque je rappelle que c'est l'Alliance de Lordaeron était présente en Kalimdor, hein, c'était Terramor. Mais du coup, ça, on y reviendra dans d'autres vidéos, ça c'est certain. Mais du coup, l'Alliance de Terramor et la Horde de Thrall étaient alliés à ce moment-là. Et au final, eh bien, ils avaient vaincu Archimonde sur le mont Ijal ensemble. Donc Jaina, elle est pour la paix, elle est pacifique avant tout. En tout cas, à cette époque, elle était pacifique avant tout. Et du coup, elle était contre les agissements de son père, elle a essayé de le raisonner. Mais son père, qu'elle idéalise tant actuellement, hein, dans la vidéo, on le voit que, voilà, je t'écoute, etc. Enfin, je t'écoute, père. Ce qui est très intéressant, puisque son père, c'est... Alors certes, c'est un chef militaire qui a... Voilà, c'est un grand général militaire, mais c'est pas spécialement un grand stratège. Il est pas mauvais, hein, mais c'est... Personnellement, je trouve que c'est un idiot. Typiquement, Daelin Prodmore, même si c'est un grand commandant, etc., hein, attention, mais c'est vrai que c'est un idiot. Hein. Si vous avez joué à Frozen Throne, c'est pas le plus grand stratège, c'est pas le plus brillant. C'est un bourrin, ce qui est typiquement coincé à cause de ses mates. Qui est dans sa rancune et dans sa haine. Il est profondément raciste envers la Horde et les orques. En même temps, il est aussi traumatisé de la mort de son fils lors de la deuxième guerre, hein, qui avait été brûlé vif par les dragons et par la flotte de la Horde. D'ailleurs, il a pris une cuisante défaite, hein, contre la flotte d'Orgrim Doomhammer. Donc, il a pas digéré la deuxième guerre. Il a vraiment pas digéré la deuxième guerre. Il fait partie de l'ancien monde, on va dire, le monde de Horde versus Alliance. Pas étonnant du coup qu'on le réutilise pour BFA, forcément. Donc cette chanson, la chanson que vous allez voir pendant toute la vidéo, c'est les chansons des Kultirassiens qu'ils... Enfin,
bien sûr, il y a eu des rescapés hein, de cet événement à Terra Mort, puisque à Terra Mort ensuite, donc la Horde a contre-attaqué, parce qu'à la base c'est une attaque de Daelin Prodmore et des Cultiraciens. La Horde a contre-attaqué et finalement menée par Rexxar, par Samuro, Rokan et Shen Stormstoot, et bien ils vont pouvoir contre-attaquer et finalement battre dans différents événements. Ils vont construire la Horde ensemble et battre finalement la flotte de Prodmore, et avec l'aide de Jaina réussir à s'infiltrer dans Terra Mort pour affronter Daelin et finalement Rexxar le tuera. Rexxar qui est, je le rappelle, le champion de la Horde. Donc c'est vrai que Jaina à l'époque avait choisi de sacrifier son père, qui n'était pas du tout dans ses idéaux, qui n'allait pas dans ses idéaux. C'était un choix très très fort qu'avait fait Jaina, et au final vous comprenez bien entendu à la fin de la vidéo que le passeur, c'est un gros, il y a des grosses images, il y a des gros trucs qu'on va évoquer. Donc bien sûr l'encre qui est à la fois le symbole de Kul'Tiras mais également de Terra Mort, puisque c'était en hommage, Jaina avait mis Terra Mort en hommage à Kul'Tiras. Donc il y a un gros clin d'œil déjà avec la mythologie grecque, avec le passeur, le principe du voyage des morts tout simplement. Jaina a toujours eu un rapport très très proche malheureusement de la mort, hein. Déjà elle était, c'est l'âme sœur d'Arthas, Arthas qui est devenu le chevalier de la mort, le héros de Ner'zhul, et qui ensuite n'a fait plus qu'un avec le roi des morts vivants au final, hein, le roi Lich. Donc c'est vrai que il y a toujours eu cette proximité avec la mort. Déjà dans Warcraft 3 c'était elle qui avait été envoyée par Dalaran pour enquêter, ça je vous laisse aller voir l'histoire d'un héros sur Warcraft 3. Mais du coup il y a cette idée du passeur grec. Vous savez, quand quelqu'un meurt on lui met des pièces sur les yeux, et selon la mythologie grecque, le passeur vient chercher le cadavre sur son bateau pour remonter l'un des trois fleuves des enfers, à savoir le Styx, je crois que c'est le Styx. Et ça fait très passeur de la mort justement, sachant qu'on voit cette proximité avec la mort, puisque on connecte encore une fois les actes de Warcraft 3 et de WoW, puisque dans Warcraft 3 tous les Kul'Tirasiens sont, enfin tous les Kul'Tirasiens, une grande partie de la flotte de Kul'Tiras a été au final tuée dans la guerre contre la Horde, mais également, je rappelle, tuée par des membres de l'Alliance qui étaient restés fidèles à Jaina. Donc il y a tous ces cadavres là, mais également bien sûr les cadavres des événements de Terra Mort, hein, moi que je n'accepte pas beaucoup, mais on va dire ça c'est un autre débat. Mais du coup avec la fin de Terra Mort par Garrosh, Hellscream, et du coup il y a tous ces cadavres qui flottent. Donc encore une fois on voit vraiment le passage des enfers avec le passeur, et un petit peu comme un Héraclès, comme un Hercule qui fait ses travaux, eh bien, elle est guidée par la mort. On le voit ici, même, alors c'est probablement c'est le spectre de son père, hein, bien entendu, mais elle est guidée par les morts et elle a ce poids sur ses épaules, cette culpabilité, cette responsabilité qui la ronge. Alors justement ici, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on voit dans les légendes, on voit par une espèce de flashback, le vaisseau amiral de Daelin Prodmore, donc qui dirigeait la flotte de Kul'Tiras, et au final, Jaina va remonter ce bateau qui avait été coulé pendant la troisième guerre. Alors on voit d'ailleurs le conflit avec la Horde. N'oubliez pas que cette chanson est faite par des Kul'Tirasiens. Donc beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi on ne voit pas Rexxar? C'est des Kul'Tirasiens. Pour les Kul'Tirasiens, c'est des orques assoiffés de sang, des bourrins, et c'est tout. Et là on voit des orques justement, et à la fin, celui qui tue Daelin Prodmore, on voit pas un Rexxar, on voit des orques. En plus ça fait presque orque de Warlord of Draenor. Si vous avez vu les petites... Je pense que on fera aussi les BD, j'avais proposé de faire les BD de Warlord of Draenor, mais également les cinématiques de Warlord of Draenor. Beaucoup avaient dit oui, donc je ferai probablement dans l'avenir. Mais du coup, il n'y a pas de Rexxar et on a vraiment l'impression des orques assoiffés de sang sanguinaire de la première et deuxième guerre. Donc on a vraiment, vous voyez, cette vision archaïque, cette vision ancienne. D'ailleurs, ils en parlent eux-mêmes dans le langage des ennemis ancestraux, des sauvages, etc. Les termes qu'on employait concernant les orques pour Warcraft 1 et Warcraft 2. On voit vraiment qu'on est dans un ancien temps et qui redevient bien sûr New Age, on va dire, qui va devenir d'actualité avec Battle for Azeroth, où l'Alliance contre la Horde, on diffame un petit peu son ennemi, hein, c'est le nerf de la guerre aussi. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on la voit aussi entre les morts qui pèsent sur sa conscience, la mort de son père ici avec... Alors, je m'attendais à un couteau, mais au final, c'est une lance dans le dos. L'idée de la trahison, l'idée de, voilà, encore une fois, de cette trahison, un petit peu un César qui aurait été tué par Brutus, hein, c'est un peu l'idée ici avec Jaina. Le visage des aînés, le visage des morts qui, encore une fois, pèse sur elle.
avec cette lumière vers le haut. C'est... Alors, je... pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas remarqué de forme spéciale. On dirait Arcturus Manx, lui. Mais sinon, c'est vrai que... Non, il va pas juger Jaina. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire... Lui, il fait très elfe. Mais au final, je pense que c'est plus voilà, les gens qui sont morts à cause d'elle. C'est plus sa propre culpabilité que des véritables morts qui viennent la voir. C'est une image. Il y a beaucoup d'expressions et de métaphores dans cette cinématique. La musique est belle et bien entendu, c'est une chanson cultiracienne, c'est une complainte cultiracienne qui dit voilà, Jaina c'est la traîtresse, c'est, elle a trahi et au final, eh bien, Jaina ramène des abysses le vaisseau amiral de Daylin. Et je vous rappelle que je me suis occupé de la bande dessinée, j'avais parlé de la bande dessinée justement de Jaina et on voit Jaina revenir à Kul Tiras avec ce même bateau, donc que je soupçonne utiliser, en tout cas renvoyer tout simplement à Kul Tiras. Donc voilà, sachant que ses dernières paroles, bien entendu, c'est craignez, craignez, craignez-moi. Mais bien entendu, elle ne parle pas de Kul Tiras à ce moment-là. Elle parle évidemment aux joueurs, enfin aux orques et à la horde, bien entendu, puisque Jaina, je le rappelle, a pété son câble après les événements de Terramort et a complètement renié ce pourquoi elle se battait. En plus, c'est la musique de War 3 qui tombe à ce moment-là, c'est la plus belle, je trouve. Et c'est vrai que cette vidéo m'a particulièrement ému, vraiment. Ce rappel à Warcraft 3, des événements qui étaient super intéressants. Promis, je ferai une vidéo d'Histoire d'un héros sur la campagne des orques, je vous l'avais promis, je la ferai. C'est juste que voilà, le temps me manque parfois. Du coup, même souvent d'ailleurs, c'est vrai que Jaina, moi personnellement, elle fait partie de mes personnages dont je suis le plus déçu et le plus triste concernant l'évolution de World of Warcraft, puisque Jaina a passé sa vie et elle n'a pas eu un seul traumatisme. L'idée, bien entendu, c'est que Terramort, on va pas faire un débat sur Jaina, ben ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais dit les 10 persos qui m'ont le plus déçu dans le traitement par WoW. Mais c'est vrai que Jaina, au final, est un personnage qui a connu que des traumatismes dans sa vie. La deuxième guerre, la perte de son grand frère. Elle a connu la perte de beaucoup d'amis, etc. lors de la deuxième guerre. Lors de la troisième guerre, elle a dû aussi sacrifier son amour avec Arthas par devoir. Ensuite, elle a perdu quasiment la moitié de... Enfin, tout ce qu'elle connaissait, toute l'alliance de Lordaeron qui s'est écroulée. Et elle a essayé de sauver les vestiges. Et elle a perdu Arthas, elle a perdu son maître, elle a perdu Antonidas, elle a perdu ses amis, hein, Keltas, etc. Enfin, elle a perdu tout le monde. Donc, ensuite, elle a envoyé, tel un prophète, tel une messie, elle a sauvé les restes de l'alliance de Lordaeron, elle les a envoyés vers l'ouest, la traversée n'a pas été de tout repos. Ensuite, l'arrivée en Kalimdor a été très compliquée face aux centaures, face à la horde aussi. Et ensuite, il y a eu cette alliance contre les démons et les morts vivants. Enfin, ça a été plutôt mouvementé, je dirais, pour Jaina. Ensuite, elle a dû faire le sacrifice de... Elle a dû faire le choix de perdre... Elle a préféré sauvegarder ses principes et aider la paix plutôt que sa propre famille, son propre père. Ça, c'est rien que là, elle avait fait déjà le sacrifice ultime, j'ai presque envie de dire. Et rien que ça aurait dû dire, il peut t'arriver quoi que ce soit, ma cocotte, normalement tu changeras pas. C'est le problème, c'est les scénaristes de haut ont voulu faire changer le personnage, ont voulu la faire évoluer parce que malheureusement cet archétype de la paix était pas... Mais bon, et du coup ils l'ont fait passer, ils nous ont fait sa crise Sasuke, hein, ou sa crise Sasukienne pour Jaina. Terramort avec un Garrosh qui pète complètement... Garrosh en fait a fait l'antithèse de ce qu'il était censé incarner en utilisant des moyens complètement bas pour détruire Terramort. Terramort qui avait été mais complètement violé par Blizzard en WoW, hein, puisque je rappelle que Terramort c'était censé presque être plus grand que Stormwind, c'est même plus grand que Stormwind en fait sur le papier, c'est énorme Terramort, c'est censé être la Orgrimmar de l'Alliance en fait, et au final on avait une bourgade dans Vanilla et ensuite dans Cataclysme ça a été un peu plus grand mais c'était pas non plus gigantesque, c'est censé être le foyer de l'Alliance de l'Ouest, c'est quand même pas rien du tout. Et finalement, ils l'ont fait exploser avec massacre de plein de gens. Il y a des hauts elfes d'ailleurs au passage, hein, à Terramort bien entendu, ainsi que des gnomes, des nains, c'était l'alliance de Lordaeron. Et au final, Jaina a pété son câble justement à cause de cet événement qui l'a traumatisé. C'est en gros pour elle la goutte d'eau. Alors attention, là j'utilise
les termes scénaristiques, hein, des scénaristes, pas les miens. C'est du coup, voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et maintenant elle fait sa crise Sasuke et elle veut se retourner contre ceux qu'elle avait protégés, donc à savoir la Horde. Du coup, au lieu de juger un seul. C'est comme si vous jugiez les humains à cause des actes d'Arthas. Un homme qui a mené la destruction sur sa nation, etc. La Horde pourrait dire bah, les humains, c'est tous des cons, regardez Arthas. Jaina fait exactement la même chose avec la Horde. Elle connaît Thrall, elle a connu plein d'orques bien, plein de trolls bien, et au final. Elle juge toute la Horde, je veux dire, très souvent le racisme, on va pas faire un débat sur le racisme, mais très souvent le racisme, ça part de peur et de fermeture. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément bien les populations que l'on déteste, et ou alors si on connaît 2-3 individus et on stigmatise une population par rapport à 2 individus pourris, quoi. Et ça c'est exactement ce qui se passe, hein. Mais après bon, c'est un thème d'actualité, qui sera toujours d'actualité malheureusement, en tout cas j'espère qu'un jour non, mais malheureusement c'est depuis la nuit des temps le racisme existe, hein, la xénophobie, tout ça tout ça. Du coup Jaina elle s'est retournée contre la Horde. Évidemment, qui doivent la craindre, c'est la Horde. J'espère quand même, parce que malheureusement, cette vidéo, en plus de m'émouvoir pour la nostalgie concernant Warcraft 3, qui est très très bien gérée, comme quoi, vous voyez, le bon fanservice, il peut être bien fait par Blizzard, pour vous en tout cas, mais même s'il y a beaucoup malheureusement de mauvais fanservice. Et ce qui fait que Jaina, évidemment, là, moi aussi, ce qui m'émeut, c'est l'idée que bah non, c'est pas la Jaina que je connais, celle-ci, c'est pas la Jaina voilà, que j'adorais, c'est pas la Jaina qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver. Et du coup, c'est vrai que j'espère que c'est juste un passage, je l'espère encore, je n'ai pas perdu espoir, j'espère qu'à la fin de Battle for Azeroth, une menace, hein, probablement les Seigneurs du Vide ou autre, une plus grande menace émerge, l'Alliance et la Horde sont obligés de faire front commun, et que cette fois-ci Jaina enfin revienne à ses premières valeurs. Parce que là on la voit idolâtrer son père, et objectivement, hein, c'est même pas parce que j'aime pas Daylin ou quoi que ce soit, Daylin objectivement c'est un teubé, c'est un idiot, c'est le vieil oncle qu'on a aux soirées de famille qui est raciste et qui est complètement con et qui est dans ses idées arriérées. Bah c'est ça Daylin, et Jaina elle idolâtre. Alors qu'elle avait fait le sacrifice, elle avait choisi de ses idées plutôt que son propre père. Donc bon, c'est. J'espère que Jaina arrivera à changer lors de BFA. Après, je rappelle que BFA, c'est une extension majoritairement PVP. Donc forcément, on a encore la Jaina qui va être un des. Je dirais une allégorie de l'extension. Forcément, la guerre représentée par Jaina entre l'Alliance et la Horde. Mais j'espère quand même qu'à la fin de cette extension, Jaina reviendra dans le bon. Reviendra sur les bons rails et on pourra retrouver la Jaina d'autrefois. Qu'à la limite, elle ait eu une passation, un passage, moi j'accepterais. Si par contre, malheureusement, à un moment dans l'extension, on devrait la tuer parce qu'elle tourne, elle passe complètement folle. Beaucoup pensent que Jaina va tomber sous le contrôle des dieux très anciens. Moi je ne pense pas du tout à ça, mais j'ai quand même peur qu'on ait façon Garrosh en mode tout le monde doit s'unir parce qu'elle a pété un câble, elle a pété un boulon, elle va tuer tout le monde et qu'on doive la tuer, qu'elle devienne en gros la Jaina de l'Alliance, enfin le Garrosh de l'Alliance. J'espère pas, j'espère vraiment pas, ce serait vraiment un vide scénaristique si c'était le cas. Mais bon, j'ai encore foi, mes amis, j'ai encore foi en Jaina. Mais en tout cas, cette vidéo est superbe. N'hésitez pas à me donner vos avis concernant cette vidéo, est-ce qu'elle vous a plu? Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Je vous rappelle que j'avais fait j'aurais dû le dire au début, ça c'est complètement con, mais j'ai fait les vidéos de From Zero to Heroes, les histoires d'un héros, pardon, sur Warcraft 3 et Frozen Throne. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie d'en voir plus, sachant que pour Warcraft j'ai fait d'autres, hein, bien entendu, les hauts elfes avec Valyra, les trolls avec Zul'jin, etc. Donc je vous invite bien sûr à aller voir tout ça. Moi en tout cas, j'en profite aussi pour vous remercier de toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager ces vidéos de lore autour de vous si vous avez des amis qui aiment bien, qui apprécient. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter bien entendu, poser vos questions, tout ça. Moi je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus. Bye bye.